Je m'appelle Mathis Sénéchal, j'ai 23 ans, je suis en première année de master de droit des affaires à l'Université de Lyon et je suis aussi athlète de haut niveau en demi-fond. Astegroup m'accompagne depuis 2019. Pour le lien humain que cela crée entre l'entreprise et moi, au-delà de l'aspect financier. Nous avons participé au Foulée Rose à Olivet en octobre 2019 et je suis ensuite revenue dans l'entreprise pour partager avec les salariés sur mon parcours universitaire, mon parcours sportif et nous avons également partagé un entraînement tous ensemble. J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique, j'ai ensuite fait ma licence de droit européen à l'Université d'Orléans et je suis rentrée en septembre 2020 à l'Université de Lyon pour un master en droit des affaires. Donc j'ai vraiment intégré mon club en 2012 et commencé à intégrer l'équipe de France en 2016. Il faut une bonne organisation, avoir un entourage bienveillant et être déterminé dans ce qu'on fait. Le sport m'apporte de la discipline, un certain dépassement de soi et des valeurs de respect. Mon titre de vice-championne d'Europe junior sur le 3000 mètres à Grosseto en Italie en 2017. Je suis fière d'avoir réussi à me relever après chaque échec. Par exemple, j'avais fait une fois 169e au championnat de France de cross et deux ans après, j'ai réussi à gagner le titre de championne de France. De devoir toujours rester la meilleure, sans cesse progresser pour ne jamais se faire dépasser. J'espère faire de nombreuses compétitions internationales, gagner des médailles internationales et battre mes records sur les distances que je cours. J'ai pour objectif de participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, sur le 5000 m ou le 10000 m. J'ai encore beaucoup de travail à faire pour l'atteindre, mais je fais en sorte de pouvoir un jour espérer être sur la ligne de départ. Je m'entraîne environ 9 à 10 fois par semaine avec plusieurs entraînements bi-quotidiens, des séances de renforcement musculaire, des séances de course spécifiques sur piste, en nature et beaucoup de séances aussi de kiné et d'ostéopathe. J'espère valider mon master de droit des affaires en 2022 pour ensuite pouvoir me consacrer pleinement à l'athlétisme jusqu'en 2024. Il faut aimer ce que l'on fait. Si on le fait par passion, je pense qu'on sera prêt à faire tous les sacrifices qui ne seront plus vraiment des sacrifices, mais un choix. Donc aimer ce que l'on fait, être bienveillant avec soi-même, être patient et croire en ses rêves.